Hey, as-tu vu le nouveau iPhone? Sort demain, puis il va avoir 5 caméras dessus. Ah, yes, fini les photos dégueu 64 mégapixels. Ah non, shit! Oh. Mon sel est tombé dans l'égout! Tu vas devoir faire le line-up de l'Apple Store. Fuck! Yeah! J'ai toujours rêvé d'avoir un sel puis de devenir un zombie! Dans un océan rempli d'étoiles, une petite planète remplie de plastique. Un couple des US est chassé pour désordre public. À côté, un pays étrangement trop gentil. Et un village accueillant rempli de mal-aimés. Le fils illégitime de Donald Trump, une expat jeune du Kentucky, un ado à la moustache molle non genrée, un enfant génie et albinos, une feu mamie qu'ils veulent garder, un lecteur de nouvelles pété, une sirène pas chic, un intello mythomane, un extraterrestre. Voilà le village de la dombe! Lily Rose la chance, quatrième secondaire, sa mère est lourde pis son père étripe ses oiseaux. Belle, on fouille pas dans les selles du monde. T'aimerais-tu ça, toi, qu'on regarde tes vieilles cochonneries? Ah, ben, oui, sa vie est sur Internet. Savez-vous c'est quoi un jardin secret? Ben, pas elle. Ah, ben, votre mère non plus. Un jour, ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire voler ton compte pis ton identité. On habite dans la dompe. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec nos numéros de compte de banque vides? Déposer de l'argent dedans? Ouais. De toute façon, on a déjà ces infos-là. Desjardins les a toutes mis en ligne. Ouais. Fuck! Moi, ça me déterre regarder la vie du monde, suivre les fails d'influenceurs, l'Instagram weird de Britney Spears. Ou tu sais, le monde qui tripe ses pogs. Ouais! Après ça, on se sent normal. Hey, Chris! Non! Wow! Au niveau de ce soir, mesdames et messieurs, vous pouvez commencer à paniquer parce que vos données ne sont pas en sécurité! Selon une étude menée par les mêmes gens qui essaient de vous vendre des VPN, vous n'avez plus de vie privée! Pour en discuter comme d'habitude, voici quelqu'un qui ne connaît rien du sujet! Moi, je mets tout sur Internet! Je m'en fous que le monde vole puis regarde mes affaires! Donc, si je comprends bien, vous vous êtes déjà fait voler votre identité! Non, pas encore! Mais j'ai tellement d'identité, ça va bien finir par arriver! OK! Si, ouais... Non! Non, 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 non! Je veux pas cette bebelle-là ici! Yeah! Je vais enfin avoir quelqu'un qui m'écoute! Ah, ça va juste faciliter notre vie, mon petit pissali! Hey, c'est vrai que c'est compliqué partir une toune puis conduire un char! Calme-toi, mon petit canard, ou tu vas péter ton pacemaker! Pour accompagner votre crise cardiaque, je joue la danse des canards. Arc! Esprit de famille de cinglé! Gogolom, ta gueule! Elle n'est oui, dès qu'il y a un cellulaire ou un ordi d'allumé. Quelque part, quelqu'un vous regarde. Donc, cuillère pense qu'on est filmé. Nice! Tout le monde dit que le gouvernement nous écoute en permanence. Moi, je suis pas d'accord. Ah, regardez ce qu'ils font. Ils écoutent rien. OK, d'abord. Voilà des jokes de pénis. Ouais. Belle, veux-tu même dire pourquoi que le drone d'Amazon est venu livrer 3 douzaines de cartouches d'imprimantes, 2 gallons d'acide, puis un chat mort? Oh, je dois parler dans mon sommeil. J'ai rêvé que je faisais cette recette-là. Un coup parti. Envoie donc notre ADN à Ancestry.ca. Déjà fait. Fuck! Bravo, ma. Maintenant, tout le monde va savoir qu'on est des cousins. Ouais. Bon, ça va faire. Je veux que toute la technologie disparaisse de la maison. Ah. Tout de suite! Ah, la fée pas de fesses. Allô, les pas propres. Avec plaisir, j'exauce vos souhaits. Bye, tout ce qui vous rend heureux. Non! Non! Oh! Non! Bravo, champion! Là, nous voilà comme des pays d'en bas. Je poursuis donc ma fausse enquête sur les gens qui se font voler leur information personnelle pour essayer de comprendre pourquoi personne ne panique à part moi! Fait qu'allons voir quelqu'un qui a toujours des opinions intraterrestres, qui est né dans nos déchets. Bonsoir! Salut, Kevin! Comment expliquer que les gens se foutent de plus avoir de vie privée? Votre technologie, c'est un faux sentiment de liberté. Depuis quelques années, les êtres humains n'ont plus de pudeur. Que ce soit les filles à poil sur Instagram, ou alors les sans-génies qui envoient des photos de leur organe à n'importe quelle fille qui ne l'avait même pas demandé, le monde a plus de gêne. La preuve, vos téléréalités. Les humains
Vous êtes dégueulasse. OK, mais avez-vous pensé aux répercussions? Tout ce que des gens malhonnêtes pourraient faire avec ces informations-là? Je sais pas, moi. Vous manipulez, vous vendez plein de shit, truquez vos élections, contrôlez vos maisons, contrôlez vos fils d'actualité, vous envoyez des courriels d'hameçonnage, volez vos photos toutes nues, puis vous demandez des rançons. Ouais, comme si le monde était assez con pour se poser tout nu! Vous trouvez pas qu'on a la paix sans technologie? On peut enfin entendre les rats chanter, regarder les déchets flotter. T'sais, on est chanceux d'avoir une maison sur le bord de l'eau. Moi, je m'ennuie de mon Netflix and chill. Ah, deux baby boomers. C'est quand même cool, des ascenseurs. M'a réveillé feu, mamie. Elle va comprendre le bonheur de vivre sans gadget. Hey, merci! Vous m'avez sauvé d'un autre spectacle de Dalida! Sérieux, feu mamie? Je sais pas ce que vous faisiez sans tablette. Quand j'étais jeune, on avait des vrais jouets. Le bilboquet, les jauchets, le boulingrin. Bon, feu mamie, invente encore des mots. Ouais, ça vous rassure pas de savoir que personne lit pis écoute vos conversations? Mais on s'en fout de donner nos informations! J'ai rien à cacher! Comme si on avait besoin d'être Google pour prédire votre divorce. Oh. Ouais. Nice! Coucou, les pas chics! Ah, la fée pas de face! L'algorithme a dit que vous étiez en manque de papier cul! La fée pas de face! Man, tu nous espionnes! Puis la nuit, je regarde vos historiques! Oh, fuck! Vous en avez assez de manger des raisins secs, trop secs! J'ai la solution pour vous! L'hydrateur à raisins secs! Vous mettez des raisins secs à l'intérieur et dans seulement 15 heures, vous pourrez enfin déguster de délicieux raisins semi-liquides. Là, je vous vois venir. Mais Gaillon, est-ce qu'on peut aussi réhydrater des canneberges ou d'autres fruits secs? Mais bien sûr que non! 8 paiements faciles de 75$, les résultats peuvent varier et le compte est exposé. Oh my God! Allô? Oui, allô? 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 À qui je parle, hein? C'est Belle des égouts! Ah, ben oui, salut Belle! Hey, justement, j'ai envie de jaser avec une marionnette un peu laide. Je sais que je le fasse de pas pertinente. Ici, on s'assume pis on est fiers! D'ailleurs, t'as-tu remarqué que Belle des égouts, on aurait dit le texte écrit sur le Snapchat d'un de mes chums qui m'envoie sa crotte en photo? Ok. Bon là, je sais que dit de même, c'est un peu chien de te comparer avec une crotte, là. Vraiment pas smart pour la crotte. Pardon! Non, non, mais regarde, je te dis ça de même, là, mais j'ai deux, trois trucs pour toi et pour te rendre plus cute si jamais ça t'intéresse. Oui! Hein, je veux dire, premièrement, avoir les yeux aussi gros que les seins, jamais été ben ben winner. Fait que soit que tu te fais grosser le dash ou que tu portes des lunettes de soleil tout le temps. Comme dans Cédrillon! Je veux dire, tu sais, avoir de quoi t'as l'air, tu dois pogner tes conseils beauté dans une boîte de céréales. C'est gratuit! Qui date de 2002 ou je sais pas, je veux dire, tu le prends où ton look de j'ai deux enfants qui s'appellent Kevin et Steven? L'Instagram weird de Britney Spears. Ah, bah boy! Ok, voilà qui s'explique. Ouais, non, t'iras faire un tour sur l'Instagram de Sarah-Jeanne Labrosse, ça fait pas mal plus de sens. Tellement! Hey, en tout cas, pas de trouble, ma belle, tu m'en remercieras une autre fois pour les bons conseils, c'est good? Je vais te donner des petits bisous le soir! Non, Belle, ça je te l'ai dit, je suis pas à l'aise que tu viennes chez moi, j'ai une blonde. Je vais te donner le sein aussi comme une maman! Ah, calvaire qui est dégueulasse, elle! Ben voyons, il a raccroché! Ça doit être une erreur, je vais aller chez lui. Non, dernière fois j'essaie de l'aider, celle-là. Ah, c'est Belle. Elle est bien mieux de pas venir ici. Ta Salomé, sors l'attaqueuse!